Les Girondins récupèrent tout de suite avec Faubert qui centre pour Chamakh. Chamakh et but. Et but. Et but de Chamakh. 4 minutes de jeu et premier but Girondin de Marwan Chamakh, l'international marocain. Au début de l'action, une très bonne interception de Marc Planus qui a pu relancer. Et à l'arrivée, c'est Faubert qui adresse une passe millimétrée à Chamakh. Faubert, le buteur qui se transforme en passeur. Vous voyez, une superbe passe au millimètre pour Marwan Chamakh. Marwan, 4 minutes de jeu et un but. Il n'est pas venu un peu tôt là, tu t'y attendais à marquer si vite? Non, personnellement, je ne m'y attendais pas. C'est vrai que moi, personnellement, peut-être que je voulais marquer dans ce match-là, surtout à Bordeaux. Mais au cours du match, là, c'est vrai que ça a commencé très vite et il y a eu ce but, tant mieux pour nous. Tu étais le meilleur buteur la saison dernière, on s'en souvient, avec 10 buts en championnat. Premier match à domicile. Un but, ça doit te mettre dans le bon ordre de marche. Oui, bien sûr. Ça me donne dans le bon ordre et je vais essayer de tout faire en sorte pour déjà me mettre... à travailler pour l'équipe et après une satisfaction personnelle, ça vient qu'après si je peux marquer, c'est tant mieux. Pierre Ducasse, le jeune formé au club qui passe superbe, d'Archeville qui déborde. Oh là là, vous avez vu ce sprint de d'Archeville, nous on se croirait au championnat d'athlétisme. C'est parti pour l'un de ses derniers coups francs nancéens, Biancalani qui récupère. Oui, qui transmet. Ouh là 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 là, quel arrêt de Ramé sur cette tentative de Diakaté. Diakaté qui était monté en attaque et Ramé encore superbe sur ses buts. On revoit cette passe de Biancalani pour Diakaté dans le dos de la défense bordelaise. Et Ramé, superbe parade en deux temps.